Les fables de Jean de La Fontaine. L'hirondelle et les petits oiseaux. Une hirondelle en ses voyages avait beaucoup appris. Quiconque a beaucoup vu peut avoir beaucoup retenu. Celle-ci prévoyait jusqu'aux moindres orages et, devant qu'ils ne fussent éclos, les annonçait aux matelots. Il arriva qu'au temps que le chanvre se sème, elle vit un manant en couvrir mince sillon. « Ceci ne me plaît pas, dit-elle aux oisillons. Je vous plains, car pour moi, dans ce péril extrême, je saurais m'éloigner ou vivre en quelque coin. Voyez-vous cette main qui par les airs chemine ? Un jour viendra, qui n'est pas loin, que ce qu'elle répand sera votre ruine. De là naîtront engins à vous envelopper et lacets pour vous attraper. Enfin, maintes et maintes machines qui causera dans la saison votre mort ou votre prison. Gare la cage ou le chaudron. C'est pourquoi, leur dit l'hirondelle, mangez ce grain et croyez-moi. Les oiseaux se moquèrent d'elle. Ils trouvaient au champ haut de quoi. Quand la chenevière fut verte, l'hirondelle leur dit. Arrachez brin à brin ce qu'a produit ce mauvais grain, ou soyez sûr de votre père. Prophète de malheur, babillarde, dit-on, le bel emploi que tu nous donnes, il nous faudrait 1000 personnes pour éplucher tout ce canton. La chanvre étant tout à fait crue, l'hirondelle ajouta, ceci ne va pas bien, mauvaise graine est tôt venue, mais puisque jusqu'ici l'on ne m'a cru en rien, dès que vous verrez que la terre sera couverte et qu'à leur blé les gens n'étant plus occupés feront aux oisillons la guerre, quand reguinglettes et réseaux attraperont petits oiseaux, ne volez plus de place en place, demeurez au logis ou changer de climat, imiter le canard, la grue ou la bécasse. Mais vous n'êtes pas en état de passer comme nous les déserts et les ondes, ni d'aller chercher d'autres mondes. C'est pourquoi vous n'avez qu'un parti qui soit sûr, c'est de vous enfermer au trou de quelques murs. Les oisillons, las de l'entendre, se mirent à jaser aussi confusément que faisaient les Troyens, quand la pauvre Cassandre ouvrait la bouche seulement. Il en prit aux uns comme aux autres, main oisillon, se vit esclave retenu. Nous n'écoutons d'instinct que ceux qui sont les nôtres, et ne croyons le mal que quand il est venu.